Et bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes dimanche, il est midi. Comme vous pouvez l'entendre, peut-être les églises du centre de la ville se déchaînent. Ah, bah voilà, il suffit que je le dise pour qu'elles s'arrêtent. J'ai laissé mes airbags d'oreille de côté parce que en vidéo, facecam, c'est quand même plus agréable de ne rien avoir sous les oreilles que mon transporte-tête habituel. Et on va s'attaquer tout de suite cette fois à une partie complète de mémoire 44. Alors on va pas trop traîner hein, puisque c'est des vidéos qui ont tendance à être plus longues que la moyenne. Et en général c'est bon pour personne, ni pour moi parce que les gens décrochent, ni pour vous parce que si vous avez autre chose à faire, ben vous allez laisser tomber. Alors tiens, il y a quelque chose qui vient d'apparaître automatiquement là en haut de ma liste, c'est bizarre, c'est marrant. C'est une toute nouvelle campagne apparemment. Mais c'est pas là-dessus qu'on va se lancer. On va se lancer, je propose, sur une campagne plutôt de débarquement, comme ça vous voyez l'autre face du plateau, hein, du vrai plateau, le plateau avec la plage. Et en plus, c'est une bataille qui est remportée majoritairement par les forces de l'Axe, donc je n'aurai aucune honte de perdre tout. Tout est bien qui finit bien. Alors, tout est bien qui commence bien, pardon. Donc, le plateau de jeu, les règles. Alors, dans ce cas-ci, je dois remporter 5 médailles. Je peux tenter de capturer des villes qui m'apportent des points de supplémentaires. Sachant que si les villes sont reprises ou si mes unités les quittent, je perds ces points de victoire. Donc ce sont des points de victoire qui ne sont pas acquis de manière permanente. On a un descriptif que je vous laisse lire à votre aise, si la définition de la vidéo le permet, sur la bataille historique qui a eu lieu à ce moment-là et à cet endroit-là, même si bon, Sword Beach, c'est quelque chose que tout le monde connaît en général, hein. Et on va tout de suite lancer la partie. Alors l'objectif c'est de jouer pas trop lentement non plus. On va expliquer les points de règle, mais on va pas non plus s'attarder sur chaque point de règle. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, notamment dans le déroulement du tour, c'est peut-être que vous n'avez pas vu la vidéo précédente. Dans ce cas-ci, je vous invite à aller la voir. Elle s'appelle Mémoire 44. Découvert, quelque chose comme ça, enfin bref, il y a une vidéo précédente dans la playlist, allez la voir, j'explique, je ne fais pas de partie complète, mais j'explique le déroulement complet d'un tour de jeu. Voilà. Alors, on va faire ça tout de suite, on va commencer par regarder les cartes que le jeu a tirées au sort pour nous. Au passage, on voit qu'il nous faut bien 5 points de victoire pour réussir. Alors, je peux activer toutes mes unités sur le flanc gauche, ça c'est plutôt cool. Je peux activer une unité sur le flanc droit, une unité sur le flanc droit, et trois unités sur le flanc droit. Donc pour l'instant, j'ai aucune carte qui me permet d'activer ces unités ici. Ça, c'est plutôt vache. Sachant que cette unité-là est considérée comme étant à cheval sur le centre et sur le flanc droit. Donc je pourrais l'activer avec n'importe quelle des deux cartes. Deux types de cartes, je veux dire. Et on a la carte fusillade, qui me permettrait d'activer quatre unités au choix. Qui ne peuvent pas être en contact avec l'ennemi et qui ne peuvent pas se déplacer. Donc c'est juste pour faire tirer 4 unités de là où elles sont. Donc malheureusement, j'allais dire que je pourrais activer 4 unités ici finalement, mais je ne pourrais pas les déplacer, donc l'intérêt est modéré, d'autant plus que en fait il est nul, car quand vous êtes dans l'eau, vous ne pouvez pas battre en retraite. Donc les jets de dés qui indiquent de battre en retraite sont autant de pertes en réalité pour votre unité, et vous ne pouvez pas tirer non plus. Donc vous êtes obligé de vous déplacer vers l'avant, et quand vous vous déplacez vers l'avant, vous ne pouvez vous déplacer qu'une case. Ça simule les barges de débarquement qui ont quand même éprouvé quelques difficultés à rejoindre la plage. Barges de débarquement dans lesquelles les soldats étaient malades et ne pouvaient de toute façon pas tirer puisqu'ils étaient ils avaient la rampe de débarquement levée devant eux pendant le trajet. Ils avançaient lentement, ils peuvent pas aller plus vite que le moteur de la barge, et les barges n'étaient pas faites certainement pour aller en marche arrière, c'était pas le but du débarquement. Donc voilà, tout ça est repris dans les règles du jeu. Alors bon,
C'est un peu difficile de se concentrer sur un jeu comme celui-là et de jouer bien. Donc évidemment, on se dirige tout droit vers une défaite, surtout qu'on a clairement le désavantage sur cette partie, même les stats le disent. Mais au moins, vous aurez vu plus d'un tour de jeu, et ce, jusqu'à la victoire totale d'un des deux camps. Un petit coup d'œil au timing, et c'est parti. Alors, voyons un peu qu'est-ce qu'il me proposait sur le flanc gauche. Toutes les unités. Bon, ça c'est plutôt prometteur, donc on va plutôt se lancer a priori là-dessus. Au moins je pourrais les sortir de l'eau, donc je vais jouer cette carte-là. Voilà, assaut sur le flanc gauche. Donc il me propose, comme c'est toutes les unités, eh bien, le jeu me facilite encore une fois la vie, version numérique oblige. Il sélectionne toutes les unités d'emblée, donc je ne dois pas cliquer sur toutes les unités une par une. Je peux directement passer mon tour. Au passage, je sais que dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué que il y a une partie ici qui était bleu grisé, bleu clair, pardon, tant que j'avais pas sélectionné le nombre d'unités utilisables, et qui était grisé une fois que j'avais utilisé le nombre d'unités maximum. Et donc je savais que je pouvais passer à la phase suivante de mon tour de jeu, qui est la phase de mouvement. J'avais un peu oublié qu'il y a le facecam ici en bas à droite, puisque quand j'enregistre le jeu, il n'est pas présent. Il est rajouté en surimpression après. Là, je ne me vois pas actuellement sur l'écran. Et donc, je peux avoir tendance à oublier que ma trogne cache quelque chose derrière elle. Donc voilà, phase de mouvement. Ça va aller vite, puisque je ne peux pas me déplacer de plus d'une case tant que je suis dans l'eau. Donc l'important, je pense, c'est de me déplacer, enfin, tant que je ne suis pas sur le rivage. Ici, mes unités sont sur le rivage, elles ont certes les pieds dans l'eau, mais elles sont aussi sur le sable si les vagues reculent. Et du coup, enfin, elles ont les pieds au sec si les vagues reculent. Les chenilles, ici, en l'occurrence. Et donc, je peux avancer de la totalité de leur point de mouvement, ce que je vais faire ici. Notez au passage que les fantassins sont 4 et les blindés sont 3. C'est comme ça, les unités de blindés sont moins nombreuses, c'est logique, que les fantassins. Et si vous avez une unité spéciale de blindés, là par contre vous avez droit à un quatrième blindé dans votre unité. Ici c'est pas le cas. On a par contre une unité spéciale ici de force spéciale. Je sais plus c'est lesquelles, mais enfin bref, c'est pareil pour toutes les unités spéciales. Alors elles peuvent se déplacer, comme on l'a déjà dit précédemment, non pas de 0 ou une case et combattre, ou 2 sans combattre. Elles peuvent se déplacer jusqu'à 2 cases et combattre quand même. Voilà. Hop là. Alors, phase de mouvement uniquement, donc je ne peux pas tirer avec mes unités, je ne peux que les faire bouger. Donc je veux faire bouger celles-ci. Elles ont droit à tous leurs mouvements puisque eh bien, elles sont sur le rivage et pas en eau profonde, entre guillemets. Elles sont face à un obstacle anti-char, alors lisons un petit peu. L'infanterie, donc la plage, mouvement sur la plage limité à 2 ex maximum, donc tout est ralenti, même les chars d'assaut. Aucune restriction de combat, prise de terrain et percée de blindés reste possible. Ça, c'est quand on fait attaquer nos fantassins, nos blindés au corps à corps. On peut prendre la position de l'ennemi après si on le souhaite. Et ça ne bloque pas la ligne de mire. Encore heureux. Les obstacles anti-char, eux, par contre, l'infanterie peut y entrer, les traverser et y combattre. Donc, c'est absolument pas une gêne. C'est même, vous pouvez déposer votre fusil dessus, épauler et tirer. C'est par contre infranchissable pour les blindés et l'artillerie, c'est un peu l'objectif d'un obstacle d'anti-char. Il n'y a aucune restriction de combat, par contre, et l'infanterie qui s'y trouve peut ignorer un drapeau, c'est-à-dire que votre unité aura moins tendance à fuir si elle est cachée derrière un obstacle qui arrête les balles plutôt que si elle est exposée en pleine plage, les deux pieds sur une mine. Donc voilà. C'est très clair comme règle. Je vais me déplacer jusque-là et je ne pourrai pas tirer dans le même tour puisque je me serai déplacé de 2 cases. Mais je veux avancer le plus vite possible. M'éloigner de l'eau surtout puisque l'ennemi pourrait encore me faire reculer, me faire battre en retraite et je ne veux pas me retrouver acculé à l'eau, ce qui se traduirait par des pertes à chaque mort et à chaque symbole de retraite. Voilà. Mes chars d'assaut, ils peuvent pas se déplacer plus que ça, donc je m'arrête là. Et c'est la phase combat. Le jeu m'indique quelles sont les seules unités qui peuvent combattre. Encore une fois, avantage à la version numérique
qui connaît les règles et qui m'oriente vers une absence d'erreur totale. Donc je décide de faire tirer mes chars d'assaut. J'ai deux choix, soit cette unité-là, soit cette unité-là. Étrangement, celle-là, je peux tirer dessus avec 3 dés, et celle-ci uniquement avec 1 dé, alors que mes chars peuvent tirer avec 3 dés normalement jusque 3 cases. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ils peuvent tirer à 3 cases de distance et toujours avec 3 dés. Voilà, comme l'indique la fiche aide-mémoire qui apparaît chaque fois que vous faites un clic droit. Eh bien, donc on se renseigne, on fait un clic droit sur cette unité-ci, et on se rend compte qu'ils sont dans un bunker, le bunker qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à présent. Donc l'infanterie peut y entrer et combattre. C'est infranchissable pour les blindés et l'artillerie, c'est une construction en dur qui résiste aux chars. L'unité du possesseur initial peut ignorer un drapeau, ça veut dire que les Allemands, s'ils se prenaient un symbole retraite, pourraient l'ignorer. S'ils en prenaient deux, ils devraient en prendre qu'un en compte. Et si on les évacue et qu'on prend leur place, malheureusement, on n'a pas ce bonus anti-retraite. C'est un bunker allemand, on n'en a pas les bénéfices, pas ce bénéfice-là en tout cas. Alors l'artillerie en bunker ne peut pas battre en retraite. Elle subit donc obligatoirement une défaite, une destruction. C'est le cas par exemple de l'artillerie qui est ici. Les bunkers ont un angle de tir de 360 degrés, donc ils peuvent tirer autant devant que sur les côtés et derrière. Et enfin, les bunkers bloquent la ligne de mire. On ne peut pas tirer sur une unité cachée derrière le bunker. Voilà. Bah écoutez, j'hésite hein, parce que bon, ceux-là, je vais faire plus de dégâts, mais ceux-là, ils vont être plus durs à déloger, donc on pourrait considérer qu'il vaut mieux s'y prendre le plus rapidement possible. Personnellement, je préfère détruire une unité le plus rapidement possible et obtenir un point de victoire assez vite. Donc je vais choisir d'attaquer avec 3 dés ici. Alors, j'obtiens un gros fail, puisque j'ai obtenu une grenade, donc une victime en face, un char d'assaut, c'est pas une unité de char, donc pas de victime, et une étoile, c'est un échec, donc un tir qui ne touche pas. Alors, waouh, là il a fait un sacré. Il a tiré une sacrée carte, l'adversaire. Ça commence bien mal pour moi. Voulez-vous ignorer le premier drapeau? Voilà, vous voyez, il tente de faire fuir. Regarde, il a tiré trois drapeaux normalement. Normalement, mes troupes ici devraient reculer de trois cases, ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas autorisé. Je souhaite ignorer le premier drapeau, bien sûr. Ça n'empêche pas que je suis prié de reculer tout de même. Alors, on va reculer par là. Et en plus, ils font une prise de position, donc eux se retrouvent à l'abri. Et il a fait un sacré tour quand même. Qu'est-ce qu'il a tiré? Il a tiré Ordre du QG. Activez 4 unités de votre choix, donc en ignorant flanc gauche, flanc droit, centre. Voilà. Donc il a choisi 4 unités, celle-ci, celle-là, l'artillerie, et je ne sais plus quelle est la quatrième. Et il a fait fort quand même, puisqu'il m'a fait perdre un char, et il m'a fait reculer une unité avec l'eau juste derrière moi, ce qui est plutôt gênant, vous pouvez me croire. Alors, pour l'instant. Fusillade, ça m'intéresse pas trop. Le flanc droit, ça m'intéresse pour aller là-bas, mais le problème c'est que je voudrais me dépatouiller d'abord ici, parce que sinon au tour suivant, s'il a une carte flanc droit pour lui, il va se faire un plaisir et massacrer mes troupes ici. Donc voyons ce que je peux jouer sur le flanc gauche. Accrochage, deux unités. Bon bah on va essayer de faire avec ça. Voilà, alors je dois choisir, hein. C'est pas toutes les unités, donc c'est moi qui dois sélectionner, le jeu me laisse choisir. Je vais activer celle-ci et celle-là. Celle-ci pour les sortir de l'eau et les chars d'assaut pour avancer un petit peu. J'active mon tour, c'est donc la phase de mouvement. Quoi qu'il arrive, je veux les sortir de l'eau, donc j'avance de deux cases, bim, et j'avance mes chars d'une case, puisqu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Là, le bunker les bloque. Là, l'infanterie les bloque. Et ils pourraient avancer par ici, mais ils sont sur du sable. Règle du sable limitée à deux hexagones maximum, à deux tuiles maximum. Donc voilà, tout est comme de juste. Alors, on va aller plutôt sur le. Si je vais à gauche, je pourrais pas faire donner mon infanterie. Donc je vais avancer plutôt ici.
Voilà, fin de la phase de mouvement. Je choisis ma phase de tir et je vais commencer avec l'unité la plus derrière. Pourquoi? Parce que si mes chars tirent un dé de retraite, il va faire reculer l'ennemi et donc ils seront plus loin de cette unité-ci qui pourra donc lancer moins de dés. Tandis que si celle-ci les fait reculer, eh ben, ils seront toujours à proximité de mon char qui en plus peut lancer 3 dés quoi qu'il arrive. Alors c'est parti. 3, 2, je peux donc lancer 2 dés, c'est logique. Je lance, j'obtiens 2 victimes, c'est très bien. Je pouvais pas espérer mieux dans ce cas-ci. Et enfin, j'attaque avec mes chars. Et c'est extermination d'unité. J'obtiens mon premier point de victoire qui est acquis de façon permanente. On ne peut pas perdre les points de victoire qui concernent la destruction de... la destruction d'unité. Alors c'est le tour de l'allemand, il fait un tir de barrage, c'est-à-dire qu'il peut faire tirer automatiquement une unité invisible, hein, qui c'est pas cette artillerie-là, c'est une unité qui hors plateau, sur une unité, au choix sur le plateau. Et il a fait fort, puisque il a fait une victime et deux retraites. J'avais trois bonhommes, le premier est mort, les deux autres n'ont pas pu reculer dans l'eau, donc ils sont morts aussi. Destruction de mon unité et premier point de victoire pour l'ennemi. Alors c'est à moi, j'ai une carte intéressante ici puisque je peux choisir d'activer 4 unités de mon choix. C'est celle-ci que je vais jouer pour enfin débloquer un second front. Alors je vais bien sûr continuer d'activer ces deux-ci et je vais également faire avancer mes deux unités ici. Alors... activation, phase de mouvement. Je déplace mon unité ici. Voilà, je ne déplace pas, mais si, je pourrais faire avancer mes chars en fait, mais je préfère me tenir à distance de ces chars-là qui peuvent m'attaquer déjà avec une force de 3. Je vais plutôt, en plus ils sont cachés dans des arbres, donc je vais plutôt me concentrer sur cette unité-ci, je vais essayer de la détruire et d'obtenir un deuxième point de victoire. Et de ce côté-ci, je vais sortir mes unités de l'eau. Ils sont en eau profonde, ils peuvent avancer que d'une case. Eux, ils arrivent sur la plage, ils peuvent se déplacer de deux cases. Alors on va pas trop avancer non plus quoique on pourrait commencer peut-être à tirer là-dessus. Je me méfie, hein, une artillerie ça tire jusqu'à 6 cases. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, ouais. De toute façon, je serai dans le champ de tir de l'artillerie, ça risque d'être mauvais pour moi. Mais comme vous le constatez, là, il y a un obstacle anti-char, donc je serai de toute façon obligé de partir sur le côté gauche. Donc autant avancer gentiment, voilà. Alors l'artillerie, elle tire avec une force de 3, 3, 2, 2, 1, 1. Voilà, en ce qui concerne les dés. Voilà, fin de la phase de mouvement. Vous voyez que le jeu me précise que si je veux, j'ai encore des mouvements restants sur certaines unités, mais ça m'intéresse plus. Donc je sors de là. Combat. C'est parti. Hein. On va commencer par les blindés. On va tirer avec une force de 3. 2 victimes. Pas de retraite pour l'ennemi. Voilà, 2 cases en moins. On continue. Et malheureusement une seule victime et une obligation de retraite que l'ennemi peut ignorer puisque la carte, enfin l'objet sur lequel il se trouve autorise d'ignorer un ordre de retraite. Il reste enfin mes chars. Alors eux ils sont dans un bunker donc me voilà réduit à un seul dé. Néanmoins je fais une victime. Un petit coup d'œil au timing. Déjà 20 minutes, plus ou moins. Alors, il joue la carte assaut d'infanterie, donc ça ignore la notion de flanc et de centre. Il peut choisir les unités d'infanterie qui l'avancent. Et là, bon, malheureusement, ils font déjà une victime parmi mes chars. Même deux. Et voilà, mon unité est réduite à néant. On comprend tout de suite où se situe la difficulté de ces scénarios pour les alliés qui doivent débarquer, qui ne peuvent pas faire retraite, qui ne peuvent pas tirer tant qu'ils sont dans l'eau, qui sont limités au niveau du nombre de déplacements. C'est assez difficile à gérer tout ça. Donc, assaut d'infanterie. Activer toutes les unités d'infanterie d'une section.
Ces unités peuvent se déplacer de 2 hexagones et combattre, alors que dans temps normal ils ne peuvent pas, ou se déplacer de 3 hexagones sans combattre, donc un bonus de mouvement. Les restrictions de mouvement et du combat s'appliquent normalement. Donc en fait, si on est sur la plage, bah en fait, c'est une carte qui n'est pas très utile, si mes unités sont dans l'eau. Voilà, on pourrait se dire, waouh, on va sortir toutes les unités d'infanterie ici de la mer. Pas de chance. Les malus de cases s'appliquent, donc en fait ils pourraient se déplacer que d'une case. Néanmoins, ça pourrait me permettre de faire avancer toutes ces unités quand même d'une case. Si vous n'avez pas d'infanterie, activez une seule autre unité de votre choix, artillerie ou tank. Oui, j'ai envie de dire. Là, je peux pas les jouer. J'ai pas de carte de flanc gauche, sauf si j'utilise ma carte infanterie, mais je pourrais faire donner qu'une seule infanterie. Est-ce vraiment ce que je désire? Je ne crois pas. Flanc droit, flanc droit, flanc droit. Hein, on voit les miniatures ici en bas de l'écran. On voit bien flanc gauche, centre, flanc droit. Et si la vidéo la permet, on peut apercevoir un chiffre ici en blanc. Ici un 1, là un 1 et là un 3. Qui permettent de choisir les unités qu'on active. Alors ici, je vais clairement sortir mes unités de l'eau, donc je vais choisir le flanc droit. Voilà. Trois unités, sans distinction. Elles sont toutes les trois validées. Je rappelle que celle-ci est à la fois sur le flanc droit et sur le centre. Je choisis, donc je ne choisis pas, c'est la phase de mouvement, c'est à moi de jouer. Alors je vais les déplacer bien entendu que d'une case pour pouvoir tirer dans la foulée. Voilà. Tac, fin de la phase de mouvement, c'est la phase de combat, et vous l'aurez compris, pas de pitié pour les croissants, on tire dans le tas. Alors eux ils tirent pas à deux cases, je vais les faire tirer en dernier, quoique ils sont le plus loin, donc voilà. 2 dés, 2 victimes, je pouvais pas espérer mieux dans ce cas-ci, et 3, 2, 1, 3, 2, 1, bon, ces deux unités-ci tireront avec la même force sur cette unité-là. En fait, ils pourront pas tirer, hein, donc, parce que c'est 3, 2, 1, c'est à 1 dé de distance. Mais comme eux, ils ont une protection de 1 dé, je pourrais pas leur tirer dessus. Donc en fait, la seule chose que je peux faire, c'est abattre celui-là. Voilà, fin de cette unité-ci, et donc deuxième point de victoire pour moi. Nous sommes toujours à égalité. Le jeu me demande si je veux faire une prise de terrain. Oui, ça m'intéresse, puisque ça me fait un mouvement gratuit, ça me mettra certes à portée de tir, mais il faut absolument que je m'éloigne de l'eau. Ça représente bien la difficulté qu'était le débarquement et la nécessité de quitter la plage absolument, et ce, sous les tirs de l'ennemi. Voilà, donc prise de terrain. Fin du combat. Alors lui, il active 3 unités au centre, son artillerie risque de faire mal. Donc il tire à 6, 3, 3, 2, 2, 1, 1, voilà, il a pu lancer qu'un dé, ça lui a pas porté bonheur. Eux par contre me fait un dégât, me fait. Alors, c'est à moi, ici on a une très belle carte, reconnaissance, malheureusement ce n'est qu'une unité dans chaque section, vous pouvez aussi avoir 2 unités dans chaque section, ce qui est une carte évidemment... colossal. Activé dans le centre, pour l'instant ça ne m'intéresse pas trop, parce qu'avancer une seule unité dans le centre, c'est l'exposer au tir ennemi. Donc j'aurais plutôt tendance à choisir une autre carte. Une unité à droite, c'est pas terrible. Tirer sans me déplacer, vu la distance à laquelle je me trouve, ça pourrait être... intéressant pour aucun de mes secteurs. Et enfin, assaut d'infanterie, toutes les unités d'infanterie d'une section. Donc j'ai plutôt joué celle-là, et bien sûr choisir le flanc droit. Donc pour ça, pour activer cette carte-là, je dois choisir, vous voyez, il se passe rien, je dois choisir un flanc. Donc soit je clique sur un flanc et il va éliminer toutes mes infanteries, soit je clique sur une infanterie directement et ça va automatiquement sélectionner toutes les infanteries de ce secteur là, puisque je ne peux pas sélectionner les autres, encore une fois, le jeu m'aide de lui-même. Voilà, je choisis ce flanc là et je peux activer toutes mes cartes, alléluia. Donc on va tenter de gagner des points de victoire ici, hein, ça me paraît la meilleure chose. On va commencer par avancer, non pas valider... le choix des unités, ensuite la phase de mouvement seulement. Donc j'avance d'une seule case
pour pouvoir tirer dans la foulée. Hein. Si j'avance de 2, je ne pourrai pas. Donc je vais avancer. Barbelé. Une unité doit stopper et ne peut plus bouger ce tour-là, mais je peux combattre. Par contre, je perds un dé de combat. Et je peux décider de les enlever pendant mon tour au lieu de tirer. Ça m'intéresse pas trop puisque, vous l'aurez compris, un dé en moins, sachant que eux, ils m'enlèvent déjà un dé car ils sont dans un bunker, c'est pas passionnant. Donc ce que je vais faire, c'est plutôt me contenter d'avancer dans cette direction-là. Ensuite, je vais les avancer eux. Voilà, et plutôt vers la droite, hein, l'idée est de viser Lyon-sur-Mer, là-bas, derrière. Et eux, je vais les avancer également. Et d'une seule case pour pouvoir tirer. Et en plus, ne pas gêner la mire, la ligne de mire, la ligne de vue de mes collègues ici à gauche. Voilà. On avance lentement. Hein, c'est assez atroce. Voilà, fin de la phase de mouvement. Je peux désormais attaquer. Je serais presque tenté d'ignorer ceux-là. De toute façon, ceux-là, je pourrais pas leur tirer dessus. Hein, vous voyez? Donc on va plutôt aller chercher là derrière. Alors, un dé de retraite, voilà, ça m'arrange pas du tout, puisque du coup, ils se retrouvent hors de portée de mon unité ici. Ça, c'est vraiment ballot. Et eux, bah, ils se retrouvent plus qu'à un dé de distance au lieu de deux. Donc voilà, j'ai un peu la poisse. Et en plus, je rate mon tir, donc j'ai vraiment la poisse au dé, comme d'habitude. Rien que de très normal. Si vous avez regardé mes lancers de dés sur Armageddon Empires, vous avez vu à quel point le jeu est un petit peu cruel avec moi. Alors, j'ai pas vu ses dés. Ah, il fait deux victimes. Boum. Et il achève mon unité, probablement. Oui, il fait deux victimes, il m'en reste qu'un. Donc forcément, destruction de l'unité. Il gagne un point de victoire supplémentaire. Il prend l'avance sur moi. Alors, c'est mon tour. Et j'ai bien envie de jouer ma carte fusillade et tirer comme un sagouin. Ou alors ici peut-être, ça pourrait être intéressant aussi. Donc vous savez quoi? Je vais me débarrasser ici des unités pour gagner des points. Et la seule façon d'activer plus d'unités sur le flanc droit, c'était cette carte-là, puisque cette carte-ci et cette carte-ci ne m'autorisent qu'une unité. Donc j'ai fait une bêtise. Fusillade. Activer 4 unités. Ah, ne doivent pas être au contact de l'ennemi. Merde. Donc, ah voilà, j'aurais dû lire jusqu'au bout, parce que du coup, je peux pas activer ceci. Je peux pas activer ceci, et ceux-ci peuvent tirer sur rien. Donc ça, c'est la loose complète, d'autant plus que je peux pas les déplacer dans la foulée. Donc voilà, ça sert à rien, je pourrais quand même pas les déplacer. Phase combat, il y a qu'eux qui peuvent tirer. On va tirer, bien entendu, sur les plus proches. Et on fait qu'une victime. Voilà, suite de ma poisse. Fin de la phase combat, l'ennemi joue. Il lance deux unités sur le flanc droit qui est bien sûr mon flanc gauche, hein, vous l'aurez compris. Il décide de sortir ses chars du bois, bien mal lui en pris puisqu'il ne fait pas de victime. Par contre, un petit gars tout seul, eh bien lui, il détruit mon unité complètement. Et boum! Quatrième point de victoire. C'est assez cocasse, hein, de voir que trois blindés ne font pas de victime et qu'un paye tout seul avec un lance-pierre, il détruit trois Sherman. Bow. Alors, tout, 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 tout. Alors ici, je peux activer sur le flanc droit et je peux activer deux unités. J'ai de la chance dans le tirage de cartes. Je choisis évidemment de me déplacer. Bah, je les active toutes les deux, forcément. Phase de mouvement. Je vais pas pouvoir aller bien loin, je pense. Je vais pas aller dans les barbelés puisque ça va me faire perdre un dé. Donc en fait, je vais gentiment garder ma position et je vais par contre avancer ceci d'une case également pour pas perdre un dé d'attaque dans les barbelés. Alors, je vais au contact, je déclare la fin de phase de mouvement et j'attaque gentiment l'ennemi. Je fais 3 victimes, ça c'est le retournement de situation qui fait plaisir. Je gagne enfin un point de victoire supplémentaire, je remonte légèrement au score. Est-ce que je veux faire une prise de terrain, autrement dit avancer d'un point gratuitement? Bien entendu. Voilà.
Et je termine ma phase de combat en attaquant cette unité-là dans laquelle je ne fais qu'une une victime. L'idéal pour moi, c'est clairement de détruire cette unité-ci et d'aller choper la médaille ici au fond. Hein. Ce qui me permettrait de remporter la partie. Sachant que malheureusement, s'il détruit une de mes unités, il remporte la partie, hein, puisqu'il lui manque plus qu'un pion de victoire. Alors, il a le choix. Hein. Il suffit qu'il tire son artillerie sur... ici, ben voilà. Il détruit n'importe laquelle de mes unités et c'est terminé. Il a tiré une sacrée carte, hein. Attaque aérienne. Regardez ce qu'il a tiré un petit peu, le loulou. Cibler un groupe de 1 à 4 unités ennemies adjacentes les unes aux autres. Donc le bonheur, hein. 1, 2, 3, 4, ici il avait tout ce qu'il voulait. Lancer 2 dés pour les alliés ou 1 dé pour les allemands à chaque hexagone visé en ignorant toute protection au terrain. Voilà. Donc s'il tire, il peut choisir 4 unités parmi celles-ci. Pour chaque unité, il lance 1 dé. S'il obtient le symbole de l'unité, il y a une perte. S'il obtient une grenade, il y a une perte. S'il obtient un échec de tir, bah, ça fait quand même une perte. Et même si j'étais dans un bunker ou quoi, que j'avais des bonus de défense, il pouvait les ignorer. La classe. Évidemment, pour la tirer, il faut que les unités soient adjacentes. Ici, il a fait son bonheur. Ici, c'est une dans chaque section. Une dans chaque section. Trois à gauche, ça m'intéresse pas beaucoup. Ou une à droite. Alors évidemment, là, le jeu me freine dans ma progression. Je vais choisir une à droite quand même. Je vais choisir l'unité qui se déplace le plus rapidement pour essayer d'aller chercher la médaille là derrière. Voilà, je vais activer celle-là. Phase de mouvement, ça m'ennuie beaucoup de perdre un dé d'attaque, mais voilà, il faut en passer par là. Je ne veux pas détruire les barbelés, je préfère attaquer en face. Et le gros fail, puisque non seulement j'en fais aucune victime, mais en plus je les fais reculer. Avec ma chance, ils vont finir dans la ville en plus. Et lui, il consolide ses positions et il fait jouer 3 unités sur son flanc droit, donc mon flanc gauche. Autant dire qu'il a toutes les chances de venir à bout de mon unité. Ah non, pardon, excusez-moi, autant pour moi, j'ai le droit de choisir une carte. Alors je sais plus à quel moment exactement ça intervient, est-ce que c'est quand on joue une unité spéciale, est-ce que c'est quand on a fait un certain lancer de dés. Je vous avoue que ce point de règle est très simple, mais est sorti de ma mémoire. Toujours est-il que je dois choisir une carte. Attention, si vous avez le jeu de plateau, les règles dans le jeu de plateau, c'est défausser une carte et garder l'autre. Donc ça veut dire que vous prenez une carte et vous l'enlevez et vous gardez l'autre. Donc la première fois que j'ai joué à la version numérique, j'ai cliqué sur la carte que je voulais défausser. C'était un peu oublier l'ergonomie des jeux en général. Ici, il faut évidemment cliquer sur la carte que vous voulez garder. Alors j'ai le choix entre activer 3 unités sur le flanc droit ou bien consolider les positions de 4 infanteries. 4 unités d'infanterie. Alors bien sûr ça pourrait être intéressant dans le sens où je pourrais consolider la position de mes soldats ici. C'est intéressant dans toutes les deux, hein. Ici au niveau stratégique, activer 3 unités sur le flanc droit, ça me permettrait d'activer mes 2 unités ici et d'aller chercher la victoire. Consolidation de position, ça me permettrait de consolider mon unité ici et d'espérer qu'elle ne soit pas détruite. Voilà. Seulement avec un char ici, il va bien sûr tenter de détruire cette unité là. Donc je pense qu'en fait l'allemand, les forces de l'axe vont gagner quoi qu'il arrive au prochain tour. Donc je préfère garder celle-ci. En cas de miracle, c'est celle-ci qui me paraît la plus intéressante. On va choisir celle-là. Vous voyez que j'ai choisi l'option tri de cartes. Et donc le flanc gauche est à gauche, le flanc droit est à droite. Et le centre, où tous les flancs à la fois, sont rangés au milieu. Et c'est ici hein, que je vais perdre la bataille. Là, il n'y a pas trop de risque. Quoi qu'il fait quand même 3 victimes. Vraiment, il a de la chance au dé, hein. Et là, il ne fait que 2 victimes, mais voilà, il a le choix. Ou il termine cette unité-ci, ou il tue mon tank. Voilà, fin de la partie, il détruit mon unité et il remporte la victoire. Le jeu nous amène automatiquement sur un écran statistique. Ça, c'est très sympa pour les fans de ce genre de choses. Moi, personnellement, je vous avoue que
J'en ai rien à carrer, mais c'est pas le cas du jeu, c'est pas le cas de beaucoup d'entre vous sans doute. Donc voilà, vous pouvez absolument analyser les pertes ennemies par type d'unité, la répartition des dés pour chaque phase du dé, les pourcentages de réussite, enfin le nombre de médailles obtenues, la moyenne, bref, tout ce qu'il faut. Voilà, c'était donc une partie sur Mémoire 44. Vous aurez vu dans la vidéo 1, le plateau de jeu façon terre. Vous aurez vu dans cette vidéo-ci le plateau de jeu façon plage. Et vous aurez compris, comme j'avais expliqué dans la première vidéo, que tous les scénarios sont jouables parce que vous avez tous les unités et tous les bâtiments sous forme de tuiles additionnelles qui se posent sur votre plateau et donc qui permet d'en changer la topographie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On fera sûrement d'autres à l'occasion d'autres parties sur Mémoire 44 version numérique et pourquoi pas contre l'un d'entre vous. Je pense notamment à Etrigan qui apprécie les jeux de société, qui apprécie les wargames, qui se lance de temps en temps dans des vidéos, j'allais dire coopératives, mais contre un autre youtubeur, donc c'est pas forcément su coopérative. La vidéo est coopérative, la partie ne l'est pas forcément. Donc voilà, et à bientôt, prenez soin de vous, ciao.